Là, je suis à fond. Mais t'es ultra filtré. Faut qu'on arrive à jouer cette conférence et c'est super compliqué parce qu'on doit aborder pas mal de périodes de l'histoire de la musique électronique, pas mal de périodes d'instruments, de lutherie, quoi. Ça va du thérémine au synthé modulaire en passant par les magnétophones, tout ça. Donc il faut maîtriser tout ça et en fait c'est extrêmement long à maîtriser. On a besoin de faire des filages, de retravailler à certains moments. De savoir que quand on passe d'un morceau à un autre, il ne faut pas oublier qu'il faut patcher de là à là, qu'il faut bien régler ce volume-là, qu'il ne faut pas oublier d'éteindre par exemple une boîte à rythme pour pas qu'elle parte dans un autre morceau. Donc en fait, c'est du rodage, quoi. Moi, j'ai le même problème que tout à l'heure, c'est que j'ai pas mon volume en fait. Il faut faire un pas. Mais là, ça joue extrêmement fort, hein. Franchement. Moi, j'ai changé des choses, ouais, j'allais les corriger. Mais non, par exemple, la TT, elle est au volume. Ouais. C'est mon son du dessus qui est trop fort. Et toi, j'ai rien touché, je comprends pas ce qui se passe. Ça nous a bien servi pour répéter, il faut bien avouer, puisque on avait fait seulement une première avant. Mais on était surtout venu là pour travailler le happening dans le lycée. On n'est jamais retourné dans un lycée depuis 30 ans, 20 ans. Pas 30 quand même, 20 ans. Des secondes, c'est d'en parler un petit peu. C'est également au programme de terminale l'analogie numérique avec les convertisseurs, justement, leur montrer la différence. Nous, avec tout ce qui est fréquence d'échantillonnage et tout ça. Mm-hmm. Oui, après, là, l'idée c'est de susciter la curiosité, voilà. C'est pas d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est ce qu'on appelle la lutherie électronique, elle est étroitement liée à la science. Forcément, quand on se plonge dans ce genre d'instrument, on a besoin de savoir ce que c'est qu'une forme d'onde, est-ce que c'est une sinusoïde, est-ce que c'est une forme d'onde en triangle, en carré, comment on peut moduler ça. Mais on vous en reparle aussi cet après-midi de ces choses-là un petit peu. Nous sommes en 1948, dans les locaux de l'ORTF, qui s'est appelée ensuite la Maison de la Radio, Radio France. Dans les sous-sols, un dénommé Pierre Schaeffer détourne le sens premier, le rôle premier de la machine. Et ces petits morceaux de son sont joués à l'endroit, à l'envers, ralentis, accélérés. De ces expérimentations naît une musique qualifiée de concrète par le même Pierre Schaeffer. Le son est généré par un oscillateur qu'on appelle un VCO. Grâce au bouton Tune, on peut accorder l'oscillateur. Voilà, en modifiant la fréquence, tout simplement. Et on peut contrôler cet oscillateur avec son entrée pitch, tout simplement à l'aide d'un clavier. Tu mets ta main ici. Regarde, de là, on va enlève là pour l'instant, excuse-moi. Voilà, c'est un exemple. Quand tu les mets là-dessus, je suis quand même plus content dans un sens.